Bonjour, voilà mon ami Amiga 500 avec une carte Vampire V2 500. Et je vais lancer deux applications. Une, c'est une petite vidéo avec Riva. Je mets ici. Et l'émulateur TO9. Je prends une disquette. Je la mets dans le lecteur et je charge le basique 128. Chanson. J'ai perdu le pointeur. J'ai perdu le pointeur. Plus de pointeur. Bon. Mais j'ai une vidéo, mais ça va pas être possible. Donc on va lancer Rune. Ah, faut que je clique dessus. Voilà. On va mettre ça, tiens, ça va être bien, ça. Une à mettre bulle. Chose à mettre ça, tiens, allez. On va prendre un autre programme. Contrôle C. Je sais pas le contrôle. Donc je vais sortir. Relancer l'émulateur. Basic 128. Non, c'est pas celui-là. Là, j'ai pas le DOS. Il va à la bonne vitesse, même avec une vidéo. Qu'est-ce que je pourrais prendre?
je coupe la vidéo, tourne exactement à la même vitesse. Petit pac-pan que j'ai fait maison. Donc il y a une touche pour faire reset, mais je ne sais plus lesquels que c'est. Pour faire reset avec l'émulateur, moi je vais relancer l'émulateur. Donc on a tout, on a l'exploitation des fichiers, réglage des préférences, enfin tout fonctionne, un petit bruit là de fond, mais ça c'est pas très grave. Color Paint, il y a une cartouche insérée dedans. Je n'ai même pas fait attention. Voilà, on est sur Color Paint.